It's Dave Mad Max 6. We're at Gulfstream Venice, and it's a beautiful Monday, Labor Day. And I'm with my French connection over here, Eric Brave. Ça va, Eric? Ça va très bien, merci, Dave. Okay, so I'm going to speak a little bit French over here. I'm going to translate for you guys because everybody speaks French over here. So, Eric is actually very well known in France and in Canada. He was the man behind Lionel Biecki, Eric Brave. Supplementation is very, very big in France and stuff. And now he's got this new big dude who's over 300 pounds, Morgan. Morgan Ast. Morgan Ast, okay. Alors Morgan, he comes from France and he's done powerlifting in the past. He's now switched to bodybuilding and now he actually became a champion of all overall in France. And now he's going to be doing the Arnold Classic in Madrid very, very, very soon. So watch this face because you guys are going to remember him. Big guy over 100 kilos, right, Eric? 160 kilos hors préparation. Oh my God, wow. Et 132 en compétition à peu près. Hein. So 132 kilos, so it's over 300 pounds, you guys. It's a huge guy. Alors dis-moi un peu à propos de Morgan et puis quand vous l'avez pris sous ton aile un peu et puis tout ça. Alors la particularité de Morgan, c'est qu'il est dans deux disciplines. Déjà, il fait le strongman, c'est-à-dire les hommes forts, mm-hmm. et le bodybuilding. Donc il a une carrière un petit peu qui a été mixée. Mm-hmm. Morgan, ça fait 10 ans qu'il est suivi par René en préparation physique. Okay. Où on a fait une construction très progressive, lente, avec des beaux challenges, puisque Morgan a été deux fois de suite, en 2010 et en 2013, l'homme le plus fort de France. Wow. Et en fin d'année 2013, on s'est réunis tous les trois pour essayer de réfléchir sur ce que l'on allait faire avec la carrière de Morgan, selon ses envies, ses aptitudes. Et on a décidé tous ensemble de partir dans le bodybuilding, ce qui n'était pas le plus facile, yeah. parce que c'est un sport qui est très très exigeant. Yeah. Morgan a une grande taille, fait partie donc à un physique hors norme, et on a un beau travail à faire là-dessus. Yeah. Et la récompense, c'est que pour sa première compétition en France, puisque Morgan est encore amateur, well, yeah. il a remporté le toute catégorie en France, et là on est direction Madrid pour l'Arnold wow. Classic. So what Eric was saying just now is that for 10 years now, Morgan has been doing powerlifting and bodybuilding, a little bit like Johnny Jackson, actually, so it's both his passion. And then after winning 2 years, the strongest man in France, they decided this year to actually focus on solely bodybuilding. René has been training Morgan for 10 years. And, Eric made him part of his team, and now they're going to, the Arnold Brazil in Spain, actually, so Madrid. So, best of luck. How tall is he? Sa taille, c'est combien? 1m92. Ça fait combien en pied? C'est 6 pieds 4, c'est... Wow! 6'4". 6'4", 132 kg. René, dis-moi un peu à propos de Morgan. Il a seulement 30 ans, alors he's only 30 years old. Et tu as été avec lui depuis qu'il est dans sa vingtaine. Et puis, alors vous avez travaillé mainly pour du powerlifting. Tu fais les deux, tu le coaches sur les deux. Oui, on fait les deux. La transition n'était pas facile, ça exige des qualités quand même différentes. Mais enfin, les qualités de force de base sont quand même toujours utiles. Yeah. Et donc, on a fait un petit peu, on a pris notre temps pour être performant dans les deux, ce qui n'est pas une chose facile, mais on avait toujours eu dans la tête de faire les deux. Yeah. Donc, il fallait préparer le terrain, ça demandait du temps, de l'investissement, mais finalement, on est assez content des résultats. Yeah, ouais. Ils parlent pour eux-mêmes, hein. so René was saying that, they really took their time, they haven't rushed anything. 10 years in the making, this kid is, and. Obviously, he's huge, so we're going to go inside goals. On va aller s'entraîner un petit peu. On va aller faire un peu de training footage. And then, gardez vos yeux ouverts. So keep your eyes open for Morgan Ast. Et puis, ça va être bon, OK? Merci, les mecs. Merci, Dave. All right, thank you.
Allez Morgano, petit bras de colibri. All right, so we were just talking just a minute ago with these guys, and we're trying to figure out on the calculator how big his arms are, and they only know in inches. So we finally figured it out. It's 24.4 inches. These arms. Oh my God. 24 and a half. And he's an amateur, you guys. So yeah, keep your eye out for Morgan. This is going to be good. Combien de semaines jusqu'à l'Arnold? 4 semaines. So 4 weeks. So 1 week after the Olympia. Une semaine après l'Olympia, right? Yeah. 4 weeks out. You have to keep your eyes out for him. Alors Eric, tu me disais hier que Morgan a fait un super bon photoshoot avec Per Bernal pour Flex Magazine. Alors il a fait un petit shoot avec Per Bernal. C'est comment ça, t'as bien aimé le shoot? Ouais, super. Ouais. Ouais. On a fait en fait une partie strongman et une partie body. Ok. Ouais, vraiment bien. Ah, that's gonna be in the Flex Magazine bientôt alors. J'espère, ouais. He hopes. Il a fait un petit shoot. He did a little shoot with Per Bernal, one part powerlifting, one part bodybuilding, and he said he hopes it's going to be in the magazine. Yeah, he hopes. Just for sure. Yeah, I'm pretty sure it's going to be in it. Alors c'est bon, alors c'est la première fois, c'est le premier film de plusieurs, ouais. J'espère. Alors bonne chance à l'Arnold dans 4 semaines. On te revoit encore, alors tu vas revenir. Ouais, avant la fin d'année, je reviens. Ouais, ouais. So he's going to be back with Eric and Rene towards the end of the year. So this is just the first shoot, you guys. You got to keep an eye out with Morgan. Morgan Ast. Merci, David. Remember that name, okay? All right. Thanks, you guys. Thanks for coming. Rene, ça fait plaisir de te rencontrer. À bientôt. All right.